Monsieur Nordine bonjour. Bonjour. Alors, une forte participation à l'élection présidentielle du 7 septembre euh, prochain, c'est le grand enjeu. Effectivement, c'est un enjeu, mais actuellement, il faudra qu'on doit être très précis sur la nature du mandat présidentiel dans le régime politique algérien. En fait, euh, cette nature, elle est beaucoup plus euh, liée euh, au quotidien, tout d'abord, et des besoins et des enjeux des Algériens dans leur vie quotidienne socio-économique et également lié avec la politique de l'état sur tout ce qui est relations internationales diplomatie questions sécuritaires. en fait le mandat présidentiel représente un impact direct dans la vie socio-économique du pays et ainsi que, que l'état avec sa politique nationale et internationale. c'est pour cette raison qu'il y a un lien direct entre citoyens et président de la République. Et actuellement, on est dans un contexte très, très particulier au niveau national, international et régional, et beaucoup plus, je dirais, même au niveau national. C'est qu'actuellement, on est en phase d'un bilan, d'un mandat qui représente pour les Algériens une préoccupation sur les acquis de ce mandat actuel et également les perspectives qui doivent être le résultat d'un plaidoyer et des attentes des Algériens dans le mandat qui sera certainement couronné par une citoyenneté très forte et une participation très forte le 7 septembre. Alors vous sillonnez le pays depuis pratiquement deux mois. Aujourd'hui, vous passez de ville en ville, de Wilaya en Wilaya. Vous plaidez pour une conscience électorale. Qu'est-ce que vous entendez par conscience électorale, Monsieur Ben Barahim Conscience électorale égale euh, citoyenneté active. La citoyenneté active représente la couronne de la participation. En fait, à travers le monde, la société civile a ce lien et cette constitution libre de représentation citoyenne, elle est liée sur toutes les politiques de l'État, politiques publiques qui ont un lien direct sur la vie des Algériens. C'est pour cette raison que... Aujourd'hui, on est devant une sorte de carrefour, là où il y a un rassemblement autour d'une analyse des Algériens sur ce qui se passe autour de l'Algérie par rapport à des mutations, par rapport à des enjeux, par rapport à des menaces au niveau international, sur le côté économique, sécuritaire, etc., et par rapport aux attentes des Algériens au niveau national. Donc, en fait, les élections représentent une opportunité, une opportunité de participation à travers les Algériens, bien sûr, avec une sorte d'évaluation, d'évaluation de leur vécu, de leur quotidien, de, de des politiques publiques qui sont actuellement et représente un impact dans la vie des Algériens, pouvoir d'achat, système de santé, système éducatif, questions socio-économiques, dont tout, toutes ces questions représentent pour la société civile qui est en lien avec, avec les citoyens un débat inter interactif, un débat interactif sur ce qui a été réalisé, sur l'attente des Algériens et comment améliorer, comment développer. Et, et c'est ça qui représente pour nous... Euh, la construction de cette prise de conscience, l'élection euh, ou le comportement électoral n'est pas juste d'aller voter ou de ne pas aller voter, mais beaucoup plus d'être convaincu de pourquoi aller voter. Cette conviction est le résultat et le produit direct de ce débat, de, ce, de, ce, de ces échanges entre le, les citoyens, la société civile, l'élite, les académiciens, les médias, pour provoquer justement un intérêt majeur à travers ces élections. Les élections sont un rendez-vous, euh, et pas, pas uniquement avec une politique nationale, locale, mais beaucoup plus même au niveau international. Actuellement, on est dans un contexte international très agressif, qui a des mutations très rapides et qui touchent le côté économique, sécuritaire, social, culturel, à travers tout le monde, technologique également. Donc, certainement que nous, également, avec ce que nous avons comme acquis dans le pays, on doit le préserver, on doit le développer et on doit pratiquer notre citoyenneté dans un, dans un climat de liberté. Garantie par la Constitution de 2020 et également avec l'offre politique qui est actuellement mise euh, dans, dans, dans ce contexte préélectoral. Alors, citoyenneté active, c'est votre déclaration, bien sûr, oui. par l'élection du citoyen, de ses représentants. Vous avez aujourd'hui mesuré cette prise de conscience citoyenne à travers, bien sûr, vos déplacements à l'intérieur du pays, puisque pas plus tard qu'il y a deux jours, vous étiez à Tindouf et ce matin, vous serez à Mostaganem et euh, aura. En fait, nous avons commencé notre campagne de sensibilisation euh, depuis la Wilaya de à Arbo exactement. Nous avons euh, invité plus de 1200 associations qui sont regroupées avec euh, 21 chapiteaux installés dans le stade de Arbo et il y avait un débat interactif sur les personnes handicapées, sur les droits des enfants, sur les droits des femmes, sur les questions économiques, sur les startups, sur pas mal de questions qui qui sont la préoccupation majeure du quotidien des Algériens. Et nous avons enchaîné ce, ce, cette campagne à la wilaya de Blida, à la wilaya d'Oran, à la wilaya de Tindouf, à la wilaya de, de, de Betla, Oran, euh, et même à Timiaoui, Nabourj à du Murtal. Et euh, demain, challah, on sera à Mostaganem, après-demain à Oran, et puis on, on, à Alger également. L'objectif, c'est... C'est l'exercice démocratique. Donc, comment donner à travers ce rendez-vous un espace de débat, de dialogue, de concertation, de prise de parole interactif entre les associations sur ce qui concerne les Algériens, leurs préoccupations majeures du quotidien et, et cet exercice doit être reflété par les acteurs de la société civile qui ont un mandat de représentation sociale. Et, et cet exercice nous donne aujourd'hui un indicateur qu'il y a un intérêt des citoyens. Mais les citoyens préfèrent beaucoup plus. Des outils modernes en matière de communication. Vous trouvez qu'à travers les 1200 que nous avons invités et rencontrés dans ces débats interactifs qui ont duré depuis 16h jusqu'à 10h du soir, un intérêt... Extra stade à l'extérieur qui est lié beaucoup plus aux réseaux sociaux. Donc les gens s'intéressent à poser des questions, à partager des photos, s'interroger sur le fond de ces rencontres, la forme, la continuité, l'impact. Donc il y, a, il y a une sorte d'intérêt. Mais cet intérêt doit être porté dans une forme moderne où les gens peuvent participer, donner leur avis et également créer cette conscience collective cette conscience collective autour de ce rendez-vous électoral qui est très important pour le pays, parce qu'il y a un impact direct sur l'État, l'État de l'Algérie, Doula, et le peuple algérien. Donc, croisé en deux, ça nous donnera l'Algérie euh, qui est en train de se préparer pour justement faire face à travers ce mandat présidentiel sur les grandes préoccupations majeures des citoyens en Algérie et à l'extérieur. Alors euh, le débat libre consacre les principes démocratiques, l'exercice <laughs> démocratique, M. Euh, ben Braham, c'est un apprentissage. Oui, parce le... qu'on a vu les plus grandes démocraties existent depuis pratiquement plus de 300 ans. Je confirme à 100% votre très belle question. Euh, avec mon, ma petite expérience, ici on y est, euh, comme euh, quelques pays à travers le monde. J'ai fait les États-Unis en 2008, les élections d'Obama américaines, l'Inde, l'Inde qui a 750 millions euh, d'électeurs inscrits sur le registre électoral, euh, le Koweït, je fais le Mali, euh, la Tunisie, l'Égypte. Donc je, je parle avec beaucoup plus un échantillon d'exercice. Effectivement, euh, l'exercice pour nous en Algérie euh, post-Herak, il y a une offre politique par le président. Cette offre politique consiste à prendre en charge le, les doléances, les préoccupations, le plaidoyer des Algériens et également l'intégrer avec euh, une vision future du système démocratique dans le pays, basée beaucoup plus sur un, une, une gouvernance participative qui donne la possibilité aux Algériens d'être acteurs et, et d'avoir une, une place dans le système de gouvernance euh, politique, lutte contre la corruption, participation dans la prise de décision, gouvernance locale, et également, euh, je dirais, beaucoup, beaucoup plus renforcée avec cette offre politique dans la Constitution qui est un acquis assez important. Maintenant, nous sommes dans la phase exercice. Exercice, ça veut dire donner de l'initiative, euh, lancer et encourager les associations au niveau local, créer ce, ce point interactif entre le secteur économique privé et public et la société civile et les politiques pour justement réaliser ce débat autour des... Grande préoccupation majeure des citoyens algériens. Alors euh, l'exercice démocratique, c'est euh, renforce aujourd'hui euh, le front euh, interne, M. Ben Barahem, fédérer les Algériens autour d'un projet, faire barrage aussi à toute tentative euh, de déstabilisation, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur, puisque nous avons vu aujourd'hui que les questions géopolitiques impactent directement les pays et les États. Effectivement. Euh, j'ai bien évoqué les questions des mutations euh, au niveau international, j'ai bien précisé le mot agressif. L'agressivité, c'est l'impact négatif euh, ciblé par rapport à certains pays dans les pays en voie de développement. Donc, certainement que cette prise de conscience existe. Euh, on peut prendre l'exemple de notre championne olympique, Imen Khalif, qui a qui au je, je lui félicite comme toute l'Algérie qui est très contente de ce grand résultat. Mais, Imen Khalif, c'est une question, une histoire d'inspiration d'une femme algérienne courageuse une qui a battante, battante qui, a, qui, 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 qui représente les racines du peuple algérien à la wilaya de Thiers, et également de l'autre côté qui représente la réussite euh, l'endurance et puis euh, la personnalité de cette femme représente pour nous également euh, euh, cette capacité de réussir, même dans les compétitions euh, au niveau mondial. Puis on a, on a vu l'interactivité, puis même la critique qui a touché. Euh, plutôt l'inchage médiatique. L'inchage médiatique qui a Caban touché. Médiatique. Euh, mais, mais, mais ça n'a fait que renforcer. Notre athlète et les Algériens autour d'une... Je dirais beaucoup plus d'une... Ils ont fédéré quelque part cette appartenance algérienne à travers notre... Ici pays, ailleurs. Ici ailleurs. Et même une grande solidarité au niveau international par rapport aux associations, par rapport aux gens qui croient au principe de la liberté, du respect de la dignité humaine et au respect des droits de l'homme. Donc quelque part, ce rendez-vous et cette réussite et ces, cette activité sportive nous a donné une très grande leçon que les Algériens, dans les moments les plus euh, sensibles, savent bien se rassembler et réaliser leur appartenance au, à, à leur pays, à leur patrie, à leur drapeau. Nous avons bien vu euh, les salles du sport en France euh, euh, bien colorées avec le drapeau algérien, avec cet engagement et cette émotion de notre diaspora. Et puis également... Euh, nos jeunes actuellement, qui, qui sont des jeunes de 22 ans, 18 ans, bien branchés sur les réseaux sociaux, ont renforcé cette appartenance à notre algérienité Donc, cette fibre patriotique, cet esprit d'Algérien, il est toujours là. Et quand il trouve ces espaces, il y aura toujours cette, cette, cet engouement, cette, cette mobilisation. Et, et là, et là c'est un indicateur. Mais euh, si on en est arrivé là, cela veut mmh. dire que quelque part, cette politique a réussi aujourd'hui à fédérer les Algériens, à mais, euh, bien sûr à renforcer cette cohésion sociale des Algériens d'ici et d'ailleurs. Et l'exemple édifiant, vous l'avez cité, Imen Khalif. Je J'ai bien précisé tout à l'heure que le post Herak euh, nécessite euh, une vision stratégique, une offre politique pour fédérer euh, le, les Algériens en tant que 47 millions de personnes en Algérie et notre diaspora, mais également autour d'un projet. Autour d'un projet politique. Donc cette politique a réussi, monsieur Badjouk. Bien, bien, ben bien sûr, bien sûr. Elle a réussi dans dans ses valeurs, dans, dans ses fondements, dans son lancement. Et certainement que le chantier est en train de se construire, parce que là, vous avez des questions qui sont posées sur l'agenda, les questions socio-économiques, les questions de développement, les questions de la maîtrise de la numérisation, etc. Je dirais, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes de, 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 devant une situation très importante. C'est comment préserver cette appartenance au pays. Cette unité. Cette unité, cette... Euh, notre algérianité, comme à chaque fois euh, je l'exprime avec vous, notre appartenance et notre algérianité, mais également à faire face au véritable challenge avec un système dé démocratique, avec un système de démocratie participative qui nous offre l'espace de. De, de la parole, du dialogue, de la concertation, des échanges, pour justement se, 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 se préparer pour faire face à ces, à, ces, à ces mutations et à ces challenges. Alors, bien sûr, on a besoin aussi de support, des études et des réflexions. Vous avez élaboré une étude sur la société civile, dont une copie a été remise il y a quelques jours au président de la République, dans laquelle vous décortiquez les prérogatives et les missions de la société civile. Que révèle justement cette étude dont vous nous avez bien sûr remis une copie ce matin, monsieur Benabara. Au, au fait, euh, la société civile représente aujourd'hui plus de 141 000 associations dans le pays. En matière de chiffres, tout le monde sera très content d'en de, de, parler et de dire que c'est un très bon chiffre. Mais mesurer l'impact de ce travail, euh, mesurer l'impact de ce travail, voir réellement la réalité de la société civile, ses besoins, euh, ses besoins en matière de formation, en matière de logistique, ses besoins en matière de... D'engagement de relations avec les autorités publiques au niveau local et même au niveau national, a nécessité de la part de, de notre observatoire de lancer une étude avec le CREAD, le, CREAD, le Centre de recherche dans l'économie appliquée, une étude qui a duré plus de quatre mois. Et cette étude a focalisé sur la, les droits de la société civile. Dans l'espace où elle exerce et elle active, et en même temps, euh, le bilan. Au, au fait, euh, nous avons fait sortir quatre segments ou quatre domaines d'intérêt. Donc, euh, la gouvernance de la société civile, son espace d'activité, le financement et également la gouvernance. Pour nous, aujourd'hui, il y a des indicateurs très forts qui vont nous permettre de tracer. Je vous donne un indicateur 75% des associations euh, interviewées à, et questionnées ont répondu qu'ils n'ont pas jamais bénéficié d'une formation. Et aujourd'hui, on parle des grands concepts de la modernisation, de développement. Donc nous avons besoin également, à travers l'Observatoire, de lancer un centre national de renforcement des compétences et des métiers de l'économie sociale solidaire, de l'ESS, qui sera un élément fondamental pour justement outiller la société civile par rapport à ce besoin de formation. Alors euh, monsieur Nordin moi je voudrais revenir avec vous bien sûr sur l'étude que vous avez élaborée sur la société civile dans la copie dans une copie a été remise récemment au président de la République, c'est la première sur la société civile dans laquelle vous avez élaboré euh, plusieurs aspects, vous les avez énumérés dans la première partie de l'invité de la rédaction, cinq chapitres dans leur globalité, vous parlez de la nécessité de mettre en place un centre de renforcement des compétences de la société civile. Quel serait son rôle exactement ce centre de renforcement des compétences. Tout à fait, je tiens à confirmer que l'Observatoire, l'ONSC, l'Observatoire national de la société civile, a la mission de réaliser des études, une capacité d'analyse de voir réellement la réalité de la société civile. Et nous avons réalisé cette étude, elle a été transmise à monsieur le Président de la République. Euh, le président de la République est le décideur euh, au niveau de la présidence. C'est le président, il a un mandat des prérogatives et il a également une priorité en direction de la société civile comme élément dans le mode de la gouvernance avec une euh, implication citoyenne. Donc euh, cette étude sera certainement un éclairage sur la situation de la société civile pour justement arriver dans les cinq ans à venir. Nous avons tracé dans le plan d'action et la vision stratégique 2024-2030 pour justement améliorer les compétences de la société civile. Et un indicateur dans cette étude, c'est que vous avez 75% sur les 141 000 associations qui n'ont pas bénéficié de, de, de formation adaptée par rapport à ces concepts modernes. Donc pour nous, c'est un challenge, c'est un défi. Et répondre à ce défi, ce n'est pas juste d'organiser euh, des formations pour 25-30 personnes, même au niveau de certains Wigarians, mais beaucoup plus d'aller avec... Euh, une réponse qui va couvrir ce besoin au niveau national, c'est la création. D'un centre national de renforcement des compétences de la société civile et des métiers de la société civile ou ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, pour permettre justement à la société civile d'avoir une activité économique avec un impact social. Et c'est ce, ce qui est en train de se faire à travers tous les pays du monde entier. Vous avez le Canada, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, la Turquie, la France et d'autres pays qui, qui sont en train d'exercer, qui, à chaque année, dans leur bilan, vous avez entre 2 millions et 1 700 000 postes d'emploi créé par rapport à cette, cette approche de l'économie sociale et solidaire, et qu'on considère aujourd'hui au niveau du système des Nations Unies comme le troisième secteur. Qui a cette capacité d'absorber euh, les grands challenges liés à l'emploi et au travail. Donc, pour nous, euh, l'étude n'est pas uniquement une étude juste pour dire que nous avons fait un balayage et une compréhension de la réalité de la société civile, mais beaucoup plus, c'est d'avoir des outputs qui vont être intégrés dans la politique publique de l'État, bien sûr dirigée par M. le Président de la République, et avoir un impact direct sur l'amélioration de la situation de la société civile. Mais sur la question des financements, est-ce que les questions, est-ce que les tabous ont été levés, puisque par le passé, on a toujours stigmatisé. Certaines parties qui recevaient des financements de l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit mettre des mécanismes de euh, réglementer pour ces financements, monsieur Je vous remercie. Euh, vous, êtes, ben vous êtes à jour, madame Sulelè. Vous êtes à jour et vous avez cette capacité d'analyse et de compréhension de, des priorités nationales et internationales par rapport à la société civile avec les enjeux qui, sont, qui font le soubassement de cette question. Euh, nous avons évoqué cette question même dans notre questionnaire et avec cette étude. Et nous avons fait une recommandation qui est ici, parce que nous avons fait la recommandation, la lecture et la synthèse de, de l'Observatoire sur cette étude qui, qui, qui est vraiment très importante. C'est carrément de, de faire une recommandation de créer le cadre de coopération, un cadre de coopération et d'échange avec les institutions algériennes et avec la société civile par rapport à les questions de financement au niveau international. C'est-à-dire que nous avons des institutions dans le pays, des ministères qui ont une souveraineté de, de, de l'État, comme tous les pays du monde entier. Donc toute forme de coopération internationale doit passer par ces structures en lien avec l'Observatoire. Nous avons fait cette recommandation justement pour que nous aurons cette flexibilité de, de, de répondre à cette question, mais dans un cadre bien organisé, bien le respect de la loi algérienne et la souveraineté des, des institutions algériennes. Alors vous avez parlé bien sûr de l'exercice démocratique, de cette proximité avec le citoyen, prendre en charge bien sûr ses préoccupations écouter, être à l'écoute. La citoyenneté, c'est des droits et des obligations, mais l'expression des citoyens doit être entendue. Monsieur Ben Barahim, la, la... impérativement, on doit être à l'écoute du citoyen. Si on si n'aura si pas euh, cette capacité d'écoute, la crédibilité de la société civile sera mise en jeu. Au, au fait, euh, l'écoute des doliances des citoyens, mais ça doit dépasser même l'écoute. C'est l'écoute avec... Euh, un retour interactif donc euh, le citoyen vient s'exprimer sur ses, ses besoins ou ses préoccupations ou ses doléances ou, au niveau quotidien le plus important c'est comment répondre justement à cette écoute à ces doléances et c'est pour cette raison que nous avons lancé en 2023 le forum local de la du dialogue citoyenneté et développement donc c'est un débat direct entre citoyens sociétés civiles et les responsables au niveau local et, et le plus important inscrire toutes ces ces préoccupations majeures de, qui, qui qui représente le quotidien des Algériens par rapport au système éducatif, le système de santé, le transport, le bien-être, l'environnement et avoir des réponses directes sur euh, sur ces préoccupations. Je pense que à travers ça, euh, Madame Souhila Hachmi on construit euh, quelque chose qui est très importante et certainement vous allez la partager avec moi c'est la confiance, sa crédibilité. Euh, une fois que le citoyen euh, euh, développe et construit cette confiance avec les acteurs de la société civile, euh, l'ancrage sera assuré et certainement que le plaidoyer à travers la tribune de la société civile sera très fort. Et, et c'est comme ça qu'on peut euh, répondre à, à un élément fondamental que le président de la République a, a utilisé à maintes reprises, c'est que la société civile devient un élément fondamental dans la bonne gouvernance. C'est-à-dire que demain, vous avez une société civile éveillée, organisée, formée elle va débattre la, le, le code, le, le code communal et wilaya lui donne place pour la gouvernance locale à ce moment, une société civile sera une sorte de garantie dans le système de gouvernance pour faire face aux différentes questions de corruption et autres. Et c'est comme ça qu'on va, qu va améliorer cette pratique et cet exercice de bonne gouvernance. Alors, vous avez plusieurs questions ce matin, M. Novdin Ben Braham. Le contexte géopolitique régional, notamment, est en train de muter et les enjeux se multiplient. C'est la question de l'auditeur. Avez-vous un rôle direct en matière de diplomatie parallèle à travers la mobilisation des, as des associations et les acteurs de la société civile Votre réponse aujourd'hui, M. Ben Braham. Concrètement, oui. Nous avons lancé un réseau qui s'appelle mmh. le réseau algérien algéro-africain sur le dialogue et le bon voisinage composé de 44 nationalités. Nous avons déjà fait une première réunion ici à, au Palais de la Culture. On, on, on a reporté euh, l'université d'été africaine qui était prévue euh, ce mois par rapport aux élections, donc elle a été reportée juste après les élections. Le plus important à travers ce réseau, c'est de lancer un débat algéro-africain. On fait partie de l'Afrique. On sommes un pays euh, africain, africain, et puis euh, avec une place euh, géopolitique, avec un impact, euh, avec nos valeurs de solidarité euh, et, et bien sûr de bon voisinage, et, et même avec un, un appui par rapport à ce qu'on a comme acquis sur les questions de développement. Donc, euh, ce débat avec euh, ces nouveaux acteurs. Associatives et jeunes qui sont dans les universités algériennes et même à l'extérieur avec la société civile nous donnent aujourd'hui euh, possibilité de fédérer justement un travail euh, africain qui démarre de l'Algérie sur euh, une vision commune pour faire face justement à ces mutations et ces challenges. Euh, sécuritaires, économiques, qui, qui sont en train de tourner, et qui touchent directement le continent africain. Mais ces réseaux, aussi bien en Afrique qu'en Europe, est-ce qu'ils vont permettre aussi de constituer un lobby pro-algérien Puisque nous avons vu aujourd'hui tout ce qui est algérien est euh, diabolisé à travers le monde, et on l'a vu particulièrement avec l'affaire euh, Imen, Imen Khalif. Effectivement, nous avons... On dans... tente de diaboliser l'Algérie. Effectivement, nous avons... Euh, un et les en fait, cette histoire de diaboliser, c'est un produit mécanisé, financé lié à un agenda on politique et oui. tout le monde connaît ses sources. L'Algérie aujourd'hui représente avec son émergence, son dynamisme qui est en train de se développer, bien sûr lié avec sa stabilité et sa cohésion sociale, représente oui. certainement un retour très fort sur la scène internationale. Mais on a besoin de ces réseaux. Et, et, et ces réseaux et ces réseaux constituent un lobbying, constituent également une volonté commune. Même les Africains sont en train de subir. Euh, la même situation par rapport oui. à un challenge socio-économique oui. et sécuritaire. Donc pour nous, euh, le destin de l'Afrique et même le destin des gens qui croient aux questions des droits de l'homme en Europe, aux États-Unis, euh, en Asie, un peu partout dans les pays du monde entier, constitue pour nous un champ de travail, un champ de réseautage, justement pour renforcer cette prise de parole commune et ce lobbying à travers les organisations régionales et internationales, mais également à travers le redéploiement de projets concrets, directs, qui ont un impact sur la vie des des citoyens en Afrique et un peu partout dans les pays du monde entier. Alors, euh, autre question de l'auditeur qui vous dit, qui vous suggère aujourd'hui aussi d'aller vers la création d'une radio en ligne afin que la société civile puisse prendre la parole aussi souvent que cela puisse euh, l'être et à la fois euh, s'exprimer et exprimer les points de vue euh, de l'Algérie. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question est ce que, puisque vous avez parlé un peu des nouveaux mécanismes de communication auxquels on doit s'adapter, il faut s'adapter aussi à cette donne impérativement pour je, 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 je permettre donc, cette expression libre. Je, je le remercie pour cette pertinente question. Euh, nous avons parlé beaucoup tout à l'heure de nos valeurs, de nos constantes, de, nos, de notre politique nationale. Que nous notre... défendons à travers. Euh, Bien sûr que nous les... défendons, mais aujourd'hui. Mais avec cette question, il est en train de parler sur la forme, sur les TIC, sur l'implication des technologies nouvelles, la modernisation, la numérisation. Les médias s'ouvrent. Les dit. médias, une ouverture, un débat permanent. Donc, donner les mêmes une participation populaire directe à travers la société civile dans les différents plateaux pour créer cette prise de conscience. Je partage à 100% avec lui cette, cette orientation. Nous avons commencé, nous avons mis en place une plateforme digitale et que j'avais euh, l'occasion de discuter avec vous euh, dès que j'étais euh, installé au niveau de la tête de l'Observatoire, c'est la plateforme euh, Café Plus, donc Compétences Plus, qui est actuellement ouverte et qui, et qui fait, et qui fait euh, une sorte d'offre euh, sur le renforcement des compétences de la civile. Ce n'est pas suffisant. On doit trouver d'autres formes et d'autres partenariats avec... Euh, le secteur des médias, avec euh, les plateformes, pour justement renforcer euh, ce lien de message que nous sommes en train de produire avec les citoyens directement, avec plusieurs euh, langues à travers le monde. C'est important qu'on va véhiculer, promouvoir notre message, notre projet, notre produit, notre lobbying à travers tous ces, ces, ces outils que je considère aujourd'hui des outils nécessaires pour justement avoir cette place dans ce marché international qui est en train de prendre une nouvelle forme, avec une nouvelle vitesse et avec de nouveaux challenges. Alors, est-ce que vous avez établi aussi des indicateurs mesurables qui témoignent aujourd'hui euh, de votre bilan et euh, avec la création euh, de cet observatoire et l'étude que vous avez réalisée, est-ce que ça, ça reste des aspects théoriques ou alors c'est des aspects aussi mesurés par des chiffres et des indicateurs Monsieur Ben Baram des aspects mesurés par des chiffres, comme ils ont été cités dans l'étude, et euh, je peux dire qu'aujourd'hui, avec 140 000 de l'association, quels sont les indicateurs chiffrés les plus importants qui sont révélés dans cette étude réalisée par on, on parle par aujourd'hui de, 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 de 47 millions d'Algériens. Hum. Avec ce chiffre, euh, la représentation est très minime, elle n'a pas beaucoup d'impact. L'objectif, c'est d'aller vers la création de 250 000 associations pour avoir au moins une capacité de 200 Algériens par association, si on peut arriver à ce chiffre de 250 000. Mais c'est un travail qui nécessite beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement citoyen. Beaucoup de renforcement de la place de la société civile et également d'aller euh, à donner la place de la société civile dans tous les segments, dans toutes les politiques publiques pour lui donner justement cette capacité de crédibilité, de confiance avec les citoyens. S'impliquer dans tout. Et s'impliquer dans tout. Dans et, avoir, et avoir surtout, surtout, l'impact social et économique sur la vie des Algériens. L'amélioration de la, leur situation, la prise de parole, la liberté d'organisation. La jeunesse. La jeunesse, les citoyens, euh, l'environnement. Toutes ces questions rassemblées nous, nous donnent aujourd'hui, pour moi, un engagement très fort pour continuer et arriver aux chiffres mais pas uniquement le chiffre, mais à la qualité du travail de la société. Alors vous avez cet autre commentaire de l'auditeur qui vous dit les Algériens sont euh, aujourd'hui, euh, euh, on a réussi à les fédérer autour de leur patrie, autour de leur drapeau, autour de leur hymne national, leur rattachement à la patrie est euh, incontestablement démontré. Mais est-ce qu'il faudrait aussi davantage les écouter, euh, Monsieur euh, Ben Brahim, être à l'écoute euh, de, euh, euh, de, 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 de ces Algériens qui soient ici en Algérie ou ailleurs qui sont fortement aussi présents au niveau international. Monsieur Benbara. Bien sûr. Vous avez des réseaux aussi au niveau de la France et d'autres pays. Tout à fait. Nous avons reçu le, le réseau, le mouvement MOUDEF avec Monsieur Nasser Khabat qui fait partie de l'Observatoire. Ça fait deux ou trois jours j'ai reçu une très grande déla... délégation des associations algériennes en France qui ont un réseau de 12 000, euh, 12 000 adhérents. Donc il y, y, y a un, dynamique, un dynamisme pardon, qui est en train de s'installer. Mais il a besoin d'être accompagné. L'accompagnement en matière de euh, pédagogie, en matière d'écoute, d'interactivité, de formation, de financement, formation, des de projets. Comme cela se fait dans tous les pays du monde Là, là ça va nous donner euh, cette visibilité de construction d'une ceinture où il y aura ce réseautage, ce partage, ces échanges et qui ont un impact direct sur euh, les attentes des citoyens, que ce soit notre diaspora à l'étranger ou que ce soit les Algériens ici euh, dans le pays. Monsieur Nordin Bernbara, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, merci bonne à journée, merci à, à, à bientôt, merci. au revoir et bon courage. Merci.